Bonjour mes petits pucelles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais entre deux. J'ai un gros rhume, mais ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui on est là pour ouvrir une nouvelle nouveauté sur ma chaîne. C'est la Wakebox du mois de mai. Je vous la montre pas devant parce qu'il y a mon étiquette. Ils ont mis collé ça à la barbare, à la poste. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz quoi? Du coup, je vais la mettre devant moi sans trop regarder et je vais piocher dedans pour voir ce qu'il y a. Voilà, du coup, on a plusieurs choses. Hop, c'est à l'envers. C'est un machin qu'on colle sur le vêtement de Overwatch. Du coup, voilà. Je vais le mettre de côté. J'ai le petit livret. Oh, je le mets à l'envers. Le thème de la du mois de mai. Défense. Tout plein de play de monnaie. Pensera à regarder à la fin tout ce qu'il y a dedans. Bon, je prends. Je vais le retirer du plastique. J'arrache tout. C'est le petit pin. C'est une banane. Je ne sais pas dans quoi. Que c'est. Voilà. Je suis désolée, mais il faudra que je fasse un truc pour qu'on aille moins la lumière. Oh, c'est un petit peu mieux. Du coup, la lumière. Du coup, voici, c'est une banane. C'est un pin que je vais mettre de côté. Du coup, je chope ça. C'est un petit moule de Game of Thrones. Je vais ouvrir ça. Hop. Tu peux rester dedans. C'est un moule comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est tout gris avec des têtes on dirait de loup, de dragon. Enfin, je sais pas vous dire. Je connais pas Game of Thrones. De nom, oui, mais c'est tout petit. Vous voyez. Ce serait peut-être intéressant de faire un glaçon pour mettre dans les apéritifs. Bien sûr, c'est boire. Avec modération, quand on fait un petit apéritif pour les fêtes, ça peut être intéressant. Du coup, je ressens un autre truc, on dirait pop. Ouais, c'est une keshen, on appelle ça. C'est un petit ourson qui est très beau. Je connais Fortnite. J'ai joué la première saison, mais je suis pas très fan. J'ai joué pour voir à quoi ça ressemble, mais voilà quoi, sans plus. Du coup, ce sera peut-être à gagner sur ma chaîne, je sais pas, je verrai bien mon humeur. Et il me reste un autre truc et un gros truc. Du coup, on va commencer par le gros truc. Et c'est une Q-Fig, comme ceci. Elle est très belle, c'est Marvel. Captain Marvel. Du coup, on va s'ouvrir ça. Bon. Enfin, si. Je n'arrivais pas à trouver le. Hop, je dépose ça. C'est pris dans double petite plastique. Voilà la petite Marvel. Petite cufique. Par contre. C'est pas l'air très fragile hein. La statue a l'air un peu plus bonne qualité que le soc. Le soc est pas, enfin soit faut pas faire tomber je pense. Très belle le soc avec le insigne du Marvel je pense. Très belle la figure. Ça peut aller. Bon, je connais pas cette personne, mais je sais pas, le visage est un peu spécial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle donne ro fort rose. Voilà, mais ça va, ça peut aller. Du coup, je vais la remettre dans son plastique. Comme ceci.
pour pas la casser, bien sûr. Je vais la mettre juste là. Et après, j'ai un... C'est un t-shirt, je vais le déballer. Voilà. Je ne connais pas. Je vois le t-shirt. Très beau. Voilà, vous voyez bien un t-shirt blanc, pas trop mal, japonais, je ne sais pas c'est de quoi. Akemini, je vois qu'il y a un nom là, Akademi, voilà. Du coup, on a le petit papier, c'est de ça, je sais pas si vous connaissez, voilà. Et j'avais pris la taille XL parce que j'aime bien être à mon aise dans les t-shirts. Et puis, si ça me plaît pas, j'ai quelqu'un qui voudra me shipper s'il connaît bien. Enfin, s'il aime bien. Voilà. Du coup, maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu les box de... voilà, j'ai perdu le nom. Au box, on peut la retourner et ça donne quelque chose. Du coup, on va faire un tour de magie et je reviens avec la box retournée. Vous allez voir dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je reviens. Et me revoilà avec la box retournée. Du coup, vous voyez ici devant, on a une... Un roulage, je ne sais pas exactement. On dirait un coffre-fort, ça peut être un coffre-fort. Sur le devant où on ouvre la box, on a des petites lumières. Voilà, avec des insignes, comme ceci. Sur le côté, on a, je ne sais pas si vous allez bien voir, un coffre, enfin, simple. Le derrière, on a la même chose, des barres, des températures, je suppose. Comme ceci. Le devant, c'est le même. Sauf que ça, je crois que ça doit être les pieds. Du coup, elle va comme ça. Et voilà le devant. Et alors, le devant de là, on marque la Webox. Photo. En fait, on peut faire la photo avec la Webox. Bien retournée. Du coup, voilà. Je la mets de côté. Du coup, on va regarder ce petit document. Du coup, la figurine Captain Marvel coûte 15 euros. Le t-shirt Hero Academia, 20 euros le t-shirt. Le moule glaçon Game of Thrones, c'est 7 euros. Le badge collant, je sais plus où je l'ai mis là. Ce machin là, 5 euros. Le pins qui est juste ici, c'est 4 euros. Du coup, on a 4 items dans la box, c'est pas mal. La box, elle revient à 21 euros et je crois 95 centimes, pour pas dire de conneries. Du coup, en comptant, oui, déjà la figurine. Et le t-shirt, ça va déjà 35. 35 plus 7, vous voyez. Le truc collant là de t-shirt, c'est 5. Et plus 4, ça fait déjà 9. Ouais, elle est rentable quoi. Ça vaut la peine de prendre la box. Du coup, et puis on a. On peut aussi avoir des cadeaux, je vois. À 2000 euros de cadeaux à gagner chaque mois. On peut tirer au sort et on peut alors gagner, si je vois bien, une Switch. Là, c'est des jeux Lego Overwatch. La Switch, j'ai dit les jeux de la Switch. Là, c'est une figurine géante, mais je ne sais pas de quoi. Là, c'est une figurine Overwatch. Et là, c'est un projecteur, je suppose. Voilà.
Du coup, voilà ce qu'on a dans le petit formulaire, qui est pas mal. Et c'est pas mal d'avoir les thèmes. Ah, par contre, là, on en a 5, mais ça, on n'a pas de prix. Ils n'ont pas mis le prix de la Pocket Chain. Ils n'ont pas mis le prix. Vous voyez mon petit chat, juste là, qui va sentir mes affaires, bien sûr, comme d'hab. Voilà. Ils ont juste pas mis le poké. C'est bizarre ça. Ah, c'est bizarre. Ils ont pas mis le prix de ça. Mais ça, c'est un truc aussi de 6-7 euros. Allez, 7-10 euros, je vais dire gros. Voilà. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette nouvelle box vous plaît. Dites-le en commentaire. Quel item vous aurez envie de me piquer? Voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!